Ok. C'est dans une atmosphère de fête, au milieu d'une foule enthousiaste, que le cortège présidentiel va tout à l'heure apparaître sur le Victoria Boulevard. Le président Jarry se rendra ensuite dans la salle du Congrès, où il prêtera le serment solennel qui fera de lui pour la deuxième fois et pour 6 ans le premier personnage de l'État. Rappelez-vous, c'était le 23 avril. Marc Jarry vient d'apprendre qu'il a été élu président pour la deuxième fois. Il bat son adversaire de seulement 300 000 voix. Top télécinéma. En quelques mots, monsieur le président, votre politique pour les 6 années à venir. Voyez-vous, Bernard Chou disait, il y a des gens qui voient les choses comme elles sont et qui se demandent pourquoi. Et puis, il y a des gens qui rêvent les choses comme elles n'ont jamais été et qui se demandent pourquoi pas. J'essaierai d'appartenir à cette deuxième catégorie. Merci, monsieur le président. Thank you.
Écoute bien, on a tiré sur Jarry. Non, impossible d'approcher, ils l'ont mis dans une ambulance. Allez, là-haut, sur la terrasse, je l'ai vu tirer. Je vous dis que je l'ai vu. Toutes les sections. Bloc 244B, 244B, le tireur est là-haut, bloquez toutes les issues. Communiqué de presse. Par décret présidentiel, une commission d'enquête investie des pouvoirs les plus larges a été chargée d'établir en toute indépendance un rapport détaillé et approfondi sur les circonstances de la mort du président Marc Jarry. Cette commission, présidée par M. Frédéric Heinegger, président de la Haute Cour de justice, était composée de M. Hugues Adler, directeur des services secrets et de la sécurité de l'État, M. Robert Picard, ministre de la Justice, M. Albert Philippe, sénateur, le général Anthony Barine, chargé de la défense du territoire, et M. le procureur Henri Volney. L'enquête, qui dura plus d'un an, vient de s'achever. 20 000 témoignages, 30 volumes de descriptifs, d'annexes, de pièces à conviction, 682 pages, tel est le rapport qui sera remis au chef de l'État et qui sera rendu public très prochainement. Les conclusions de ce rapport sont les suivantes. Premièrement, le président Jarry a été tué de 3 balles, tirées par un fusil automatique FN Barr, calibre 338 Winchester Magnum. Deuxièmement, le meurtrier s'appelle Karl Erik Daslow. Il a agi avec préméditation. Troisièmement, Karl Daslow était un névropathe, un instable et un solitaire. Quatrièmement, Daslow a agi seul. Aucune preuve persuasive de complicité ni de conspiration n'a pu être établie. Cinquièmement, sur le point d'être arrêté, Karl Erik Daslow s'est donné la mort. Signé, Commission Heinegger. Je vous remercie, Madame Lapierre. Ce communiqué vous convient, messieurs ? Tout à fait d'accord. Si vous le voulez bien, messieurs, nous allons donc signer ce document. Je suis profondément désolé, messieurs. Mais je ne peux pas signer ce rapport. Caméra 2, tu sers sur le procureur Volney. Caméra 2, tu sers sur le procureur Volney. Attention, l'antenne dans 20 secondes. Messieurs les photographes sont priés de regagner une place réservée à la presse. Attention, l'antenne dans 5 secondes. Bonsoir. À 16h aujourd'hui, sur tous les téléscripteurs du monde, tombait l'information la plus inattendue, la plus stupéfiante. Un membre de la commission Heinegger refusait de signer les conclusions du rapport d'enquête sur l'assassinat du président Jarry. Cet homme, c'est le procureur Volney, qui a accepté d'être l'invité de notre émission « Un homme, un événement ». Procureur Volney, vous êtes ce soir l'homme qui a fait l'événement. Vous aurez donc à répondre aux questions des 5 membres de la commission dont vous faisiez partie, aux questions des représentants de la presse internationale réunis dans le studio et à celles du pays tout entier qui pourra intervenir au téléphone à tout moment en appelant le 7-777-77. Monsieur Frédéric Heinegger, vous êtes président de la Haute Cour et le président de cette commission d'enquête. C'est donc à ce titre
que je vais vous demander de commencer le débat ce soir. Je voudrais poser au procureur Volney une question toute simple. Pendant un an, vous avez siégé parmi nous. Vous avez assisté à toutes les phases de cette minutieuse et exhaustive enquête. Et pas une fois, vous n'avez exprimé votre réprobation ou un quelconque désaccord. Alors, pourquoi aujourd'hui ? Monsieur le Président de la Haute Cour, cette longue année que vous venez d'évoquer, c'était précisément l'enquête. Je n'avais aucune raison d'être contre. Aujourd'hui, je suis tout simplement en désaccord avec les conclusions de cette enquête. Je vous en prie. Je vous en prie. Je n'ai pas terminé. Je voudrais à mon tour poser une question au président Heinegger, une question toute simple. Je vous en prie. Bien. Est-il vrai que vous ayez reçu, dès le début de notre enquête, une demande provenant de la plus haute instance de ce pays et que je vous résume ? Débrouillez-vous comme vous voulez pour établir que Dassault est le seul tueur, qu'il n'y a jamais eu de conspiration ni de complot. Je n'ai pas envie d'avoir une troisième guerre mondiale sur les bras. Avez-vous, oui ou non, reçu cet ordre ? Monsieur le Président de la Haute Cour, puis-je me permettre de vous aider ? Premièrement, vous me répondez que jamais vous n'avez reçu cet ordre, je n'ai aucun document en ma possession pour vous prouver le contraire, et tout se retourne contre moi. Deuxièmement, vous me répondez que tout ceci est pure invention de ma part, mais alors là, je sors dans une seconde le document authentique qui prouve le contraire, et tout se retourne contre vous. Président Heinegger, prendrez-vous ce risque ? Oui. J'ai bien reçu cet ordre. Enfin, je veux dire, cette suggestion. Ce souhait, plus précisément. Mais je jure sur l'honneur que je n'en ai tenu aucun compte. Je vous remercie. Autrement dit, procureur, d'un côté, les vilains signataires d'un rapport. De l'autre, le vaillant justicier, seul contre tous. Non, général Varine, non. Je tiens à préciser que tous les membres de la commission Heinegger sont des hommes honnêtes, sérieux, prudents et d'une probité exemplaire, parfaitement conscients de la noblesse de la mission qui leur a été confiée. Nous sommes très flattés de la très haute estime que vous nous portez, monsieur le procureur. Vous êtes tous des hommes très bien, mais... Mais quoi, monsieur le procureur ? Que reprochez-vous à la commission Heinegger ? Ce que je reproche à la commission Heinegger, c'est, je dirais, c'est un état d'esprit. Nous étions sincères quand nous disions, nous voulons la vérité et toute la vérité. Mais au fond de nous-mêmes, nous espérions que cette vérité-là serait celle que nous souhaitions. Eh bien, à force de la souhaiter, nous avons fini par l'avoir. Une bonne petite vérité bien rassurante, qui ne fait pas de vagues, n'éclabousse personne. Une vérité qui écarte les sales rumeurs, dissipe les mystères et garde intacte notre image de marque. À quelle rumeur faites-vous allusion ? De quoi aurions-nous peur ? Peur simplement d'admettre que nous sommes peut-être une nation où l'on résout certains problèmes politiques par l'assassinat. C'est inacceptable. Monsieur le Président de la Haute Cour, je vous demande la permission de me retirer devant cette série d'insultes à l'honneur de notre pays. Asseyez-vous, général Varine. La vérité n'a ni honneur ni pays. Il faut l'admettre telle qu'elle est. Jacques Turner, Agence France-Presse. Monsieur le procureur, si je vous ai bien compris, vous ne croyez plus Dassault coupable. Ah, monsieur Turner, vous courez beaucoup plus vite que moi. Après un an d'enquête approfondie, on me dit aujourd'hui que Dassault est l'assassin du président Jarry. Je réponds, c'est possible. Deux, qu'il a agi avec préméditation. Je réponds, peut-être. Trois, on m'assure que Dassault était fou.
Je réponds, rien ne permet de l'affirmer, car je ne trouve nulle part une quelconque trace de ce processus de la folie. Alors, a-t-il tué parce qu'il était fou, ou nous le déclarons fou parce qu'il a tué? 4. On me dit que Dasto a manqué de chaleur familiale, qu'il avait un caractère pas très sociable, qu'il était instable et qu'il rêvait de jouer un rôle historique. Puis-je vous faire remarquer, messieurs, que des centaines de milliers d'individus à travers le monde répondent à ces caractéristiques sans pour autant tirer 3 coups de feu sur le président de leur pays. 5. On m'assure que Dasto a agi seul. Franchement, je n'en sais rien. Et enfin, 6. Que Dasto s'est suicidé. Et je réponds pourquoi pas. En résumé, face à 6 affirmations, je me retrouve aujourd'hui avec 6 doutes. Jacques Lafont, AFP. Roberto Rio, le Corriere della Sera. Silence, pas tous à la fois. Gaspige pendant un an, silence. On me signale que nos standards sont bloqués. Je propose qu'on prenne tout de suite la question d'un téléspectateur. Mais s'il vous plaît, n'appelez plus. Allô, c'est à vous. Monsieur ou madame ? Je suis comme des milliers d'hommes et de femmes de ce pays. J'aimais beaucoup le président Jarry. Eh bien, je voudrais savoir ce qui va se passer maintenant. Président Heiniger, voulez-vous répondre ? Madame, l'article 4 de la charte de notre commission d'enquête dit ceci. Si l'un des 6 membres de la commission refuse de signer le rapport final, premièrement, la commission est dissoute. Deuxièmement, celui qui a refusé de signer reçoit les pleins pouvoirs pour reprendre l'enquête depuis le début. Dans le cas qui nous intéresse, madame, cet homme, c'est le procureur Henri Volney. Bonsoir, Pierre. Je crois qu'il a passé toute la nuit dans son bureau. Qu'est-ce qui te fait dire ça?
Je suis arrivé de bonne heure ce matin, il est en train de se raser. Bonjour, monsieur. Je vous en prie. Permettez-moi de vous dire combien j'apprécie le fait que vous soyez à mes côtés. Merci. Oui, monsieur, oui. C'est un bout de film qui a été pris par la seule caméra de télévision qui était sur le passage du cortège au moment de l'attentat. Dans l'enthousiasme général, la foule a piétiné les câbles et la caméra s'est trouvée déconnectée. Ils ont mis 3-4 minutes pour trouver le point de rupture du câble et quand le contact a été rétabli, tout était fini. Le drame s'est déroulé pendant la panne. Je vois. Quand la caméra s'est remise en marche, elle a encore enregistré un petit bout de film. Sans intérêt, mais si vous voulez le voir... Bien sûr. Voilà, c'est à ce moment-là que la régie a envoyé la mire et on a annoncé l'attentat. C'est tout. Max, repassez-moi le dernier bout, s'il vous plaît. Arrêtez. Il faut retrouver cet homme. S'il n'a pas oublié de charger sa caméra, il aura certainement filmé les principales phases de l'attentat. Vérifiez dans tous les laboratoires de développement et surtout, relevez le nom et l'adresse du cinéaste amateur. D'accord. Si j'ai bien compris, je suis désigné d'office. Le privilège de l'âge, mon vieux. Bien, faites passer une annonce dans tous les journaux. Recherchons tout film amateur concernant assassinat président Jarry. Envoyez le document, procureur Henri Volney, boîte postale 405. Ajoutez contre récompense. Forte récompense. Non, nous ne visionnons jamais les films, tout est automatique. À un bout de la chaîne, les négatifs. Et à l'autre bout, les kilomètres de baptême, de mariage, de goûter d'anniversaire, de souvenirs de vacances. Prêt à être expédié. L'annonce dans les journaux commence à donner des résultats. On a déjà reçu 5 films depuis ce matin. Alors, il y a du 8, du Super 8 et du 16. Vous allez avoir 4 films muets et un sonore. Oui. Eh ben, c'est très bien comme ça. Faut continuer, mon vieux. 2800 concessionnaires, c'est pas la mer à boire. Ici, ça va. On est en train de vivre quelques grands moments du cinéma. Je vous passe le film 16.
qui a le sens du suspense. Il a surtout le sens des affaires. Charlie. Monsieur Chagnot ? Oui, je suis Robert Sagnot et voici Maître Keller, mon avocat. Maître ? Je vous en prie. Asseyez-vous. Alors, monsieur Sagnot, combien ? C'est-à-dire, enfin, comme me dit ma femme, si je vous donne mon film, après, je l'aurai plus. Et ma femme et moi, nous tenons beaucoup à ce film, alors... Combien, monsieur Sagnot ? Deux cents ? 2000. Que nous vous demanderons d'ailleurs de bien vouloir verser au compte de la recherche sur le cancer. C'est le désintéressement et... Tout à votre honneur. Naturellement, vous aurez versé à mon client de la main à la main, disons, 25 000. Monsieur Sagnot, vous êtes le cinéaste le plus cher de ce pays. Présentez-vous avec ceci au bureau 412. Vous serez réglé. Ah, je voulais vous dire, parce que je suis honnête, moi. J'ai déjà vendu le film, il y a un peu plus d'un an, juste après l'événement. À qui ? J'ai oublié le nom de la boîte. Mais on l'a jamais passé, ça je vous le garantis. Vous pensez si je l'ai guetté ? Bien. J'avais fait faire un double du film. Peut-être même en triple. Max, repassez-moi le film, mais en marche arrière, je vous arrêterai. Bien, arrêtez-vous. Repartez en avant. Stop. C'est curieux, vous ne trouvez pas? La première balle vient d'atteindre le président en pleine face, et à ce moment précis, plusieurs personnes se retournent pour regarder dans la direction opposée au drame. Quelqu'un les a peut-être appelés, tout simplement. C'est ça. Pendant qu'on tue le président devant leurs yeux, quelqu'un crie « Hey, Charlie !» et tout le monde se retourne en même temps pour regarder d'où vient l'appel. Non, ils ont sûrement entendu quelque chose. Mais certainement pas « Hey, Charlie !» Max, continuez. Là, Sagnot est bousculé, mais il continue à filmer. Bien, alors maintenant, repassez-moi le même bout. Mais attention, quand je vous dirai de ralentir, passez-moi le film image par image. Ralentissez. Arrêtez. C'est lui. C'est bien lui que les personnes regardent, ça ne fait aucun doute. Faites-moi un agrandissement de cette image, il faut absolument retrouver ces sept hommes et ces deux femmes. Ça ne sera pas facile. Mac et Charlie, vous avez carte blanche. Vernon ? Allons jeter un coup d'œil sur ce deuxième étage.
C'est un beau bureau, vous savez. Mais ça fait plus d'un an qu'il n'est pas occupé. Alors, forcément. Ah, le téléphone est coupé, monsieur. Mais vous pouvez appeler dans le hall. Ces messieurs viennent pour louer, probablement. Non, pas exactement. Dites-moi, ces bureaux appartiennent bien à la Transcontinentale Import-Export. Bien sûr. Et puis un matin, ils ont disparu. Remarquez, comme ils avaient payé 8 mois d'avance, le propriétaire s'est pas trop inquiété. Mais moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Ah. Vous savez que vous êtes dans l'immeuble où on a tiré sur le président? Non. Eh bien, ces messieurs de la Transcontinentale étaient des gens tellement bien, tellement comme il faut, qui n'ont pas voulu avoir leur adresse dans un immeuble dont on avait tiré sur notre président. La preuve, c'est que le lendemain, ils étaient partis. Qu'est-ce que vous fait dire des gens tellement bien? C'est-à-dire que, avant de disparaître, ils ont laissé une enveloppe pour moi dans mon casier, avec un très joli cadeau. Bon, je vous laisse réfléchir. Attendez. Tenez, oh, c'était pas la peine. Merci. Je vous laisse la clé, vous me la rendrez en partant. Je viens de téléphoner au registre du commerce. La Transcontinentale Import-Export n'existe pas. C'est une société fantôme. Comme ces bureaux du deuxième étage qui n'ont été loués que pour placer un deuxième tireur. Et deux tireurs, c'est déjà une organisation. Donc, un tireur d'assaut sur la terrasse et un tireur ici, au deuxième étage. Mais les 9 témoins, quand ils se retournent, ce n'est pas vers la terrasse qu'ils regardent. C'est cette fenêtre du deuxième étage qu'ils fixent. Parce que c'est d'ici qu'est parti le coup de feu. C'est quand même étrange, non? Il n'y a aucune trace de ces 9 témoins dans le rapport Heniger. Par contre, un certain Nicky Farnes qui se tient dans la foule crie en désignant la terrasse où se trouvait Daslo. Je le cite. Là-haut, je l'ai vu tirer. Je vous dis que je l'ai vu. Merci de te déranger, monsieur Farnes. Ben, vos collaborateurs m'ont dit que c'était l'affaire de quelques minutes. Ma femme a accepté de garder le magasin. Nous allons essayer de ne pas trop abuser de votre temps. Ah, dites-moi, le jour du meurtre, vous avez bien vu un homme tirer depuis la terrasse de cette tour? Je l'ai vu très distinctement. Et où étiez-vous exactement? J'étais là dès le matin très tôt. Tenez, c'est là que j'étais. À cette borne rouge, très exactement. Vous en êtes absolument sûr? Oh, absolument, monsieur. Tenez, j'étais assis comme ça. Même qu'en passant, un policier m'a dit « Dégagez les bandes d'incendie, ne restez pas là !» Oh, j'ai trouvé ça idiot, vu que j'étais seul. Alors je suis resté quand même, et c'est de là que j'ai tout vu. Vous pouvez me passer vos lunettes, s'il vous plaît? Merci. Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez sur ce panneau là-bas? Là, c'est le brouillard. Je suis myope. Mais le jour de l'attentat, quand vous avez crié « Là-haut, je l'ai vu tirer », vous portiez vos lunettes? Bien sûr que oui, je m'en sépare jamais de mes lunettes. Tenez, cette photo a été prise le jour du meurtre. C'est bien vous, n'est-ce pas? Eh oui, c'est moi. Seulement, voilà, vous ne portez pas de lunettes. Je ne les avais plus. Il y a eu une bousculade terrible, quelqu'un m'a poussé, mes lunettes sont tombées et on me les a écrasées. J'ai dû les faire refaire. Je peux vous fournir le duplicata de la facture, si vous voulez. Mais quand j'ai vu l'assassin, je les avais encore, mes lunettes. Ça, j'en suis absolument certain. Et maintenant, vous voyez la terrasse? Évidemment. Continuez à la regarder. Monsieur Farnes, ce quart de la télévision était exactement à cette place le jour du meurtre. Bon, et alors?
Après tout, j'ai dit qu'il y avait un homme avec un fusil là-haut sur la terrasse. Et quand les flics sont montés voir, ils ont trouvé ce que je disais. Un homme avec un fusil. C'est la preuve que je n'ai rien inventé. Alors ? Alors rien, monsieur Farnèse. Je vous rends à votre femme et à votre commerce. Je suis Pierre Grégory, monsieur. Bonjour. Et voici Stan, notre tireur d'élite. C'est vous qui avez ramassé le fusil de Dassault et les douilles. Oui, monsieur. Voici leur position. Ces traits blancs indiquent bien la position des douilles. Vous en êtes sûr? Je suis formel, monsieur. Avant qu'on ne déplace quoi que ce soit, un collègue, l'agent Lambert, a pris un cliché. Je vous l'ai apporté. Bien. Très bien, allons-y. Grégory à Lombard, nous sommes prêts. Bon, alors tout est bloqué sur un kilomètre autour de la cible. OK pour nous. Terminé. Grégory, vos douilles ne sont pas aussi disciplinées que celles de Dassault. Encore une fois, s'il vous plaît. Comment expliquez-vous ce mystère? Trois douilles presque impeccablement alignées côte à côte. Je pense que c'est plus qu'un mystère, monsieur. Un véritable miracle. Je vous remercie. Ce sera tout pour aujourd'hui. Alors, ces neuf témoins? Ils sont presque au complet. Robert Cocheba, Marianne Delila, Charles Polody, Guillaume Gemenos, Nicolas Rosenko, Ramon Jiménez, Ursula Hoffmann, Serge Lévis et un inconnu. Bravo. À la vérité, monsieur, nous avons eu plus de chance que de mérite. Ils se sont presque tous présentés spontanément comme témoins. Ils ont demandé à être entendus par la commission Heinegger. Je n'ai lu aucun de ces témoignages dans le rapport Heinegger. Ça m'aurait frappé. Page 198 du rapport. La commission a écarté les témoins que les sous-commissions avaient jugés trop imaginatifs, manquant de sérieux ou ayant des opinions préconçues. Voilà pourquoi leur témoignage n'est jamais arrivé jusqu'à vous. Mais ils se sont tous présentés spontanément pour parler. Tous, sauf deux. Nicolas Rosenko, journaliste. Il travaillait dans un hebdomadaire à scandale. Nous l'avons retrouvé parce qu'il a fait la une de son journal. Pas comme auteur, mais comme acteur. Oui, j'écoute. Ici un porte-parole du MLP, Mouvement de Libération de la Palestine. C'est à quel sujet? Écoutez bien, je ne me répéterai pas. Nous venons d'exécuter votre collaborateur Nicolas Rosenko. Nous l'avons condamné à mort parce qu'il était un infâme propagandiste à la solde d'Israël. Vous trouverez son corps dans le parking de votre journal. Premier sous-sol, allée 6. Quelques heures plus tard, le mouvement de libération de la Palestine démentait formellement être à l'origine du meurtre de Nicolas Rosenko. La police a classé l'affaire. La mort de Rosenko est bizarre, mais elle explique en tout cas pourquoi il n'a pas pu se présenter devant la commission. Monsieur le procureur, je crois plutôt que Rosenko n'a pas voulu être témoin parce qu'il préférait travailler pour son compte. Il se passionnait pour l'affaire Dassault. Regardez ce qu'on a trouvé sur le siège arrière de sa voiture. Bon, ben.
Pas d'autopsie de Dasselot. Pourquoi? Dasselot se suicide avec un revolver. À qui appartenait-il? L'itinéraire du cortège présidentiel a été dévoilé qu'à la dernière minute. Comment Dasselot l'a-t-il su? Ouais. Très juste tout ça. Il se connaissait déjà. Qui? Si Rosenko a arraché cette page, c'est qu'elle avait pour lui une importance certaine. Passez-moi votre... Ouais. Page 147-148. Bien. Karl et un ami italien, Luigi Lacosta. Eh bien, je voudrais en savoir davantage, monsieur Lacosta. On voit la suite. Ursula Hoffmann. Elle nous arrive tout droit des quais mouillés et des rues chaudes de Hambourg. Elle est la sensualité même. Elle est le rêve, elle est l'amour. Dans un numéro absolument hallucinant de nu intégral, voici Ursula Hoffmann. Ursula! Ursula! Qu'est-ce que tu fous, bon Dieu? Monique! Après l'enquête, elle se serait donnée la mort à la suite d'une déception sentimentale. Ramon Jiménez, 33 ans, artiste peintre. Il est 9h. Le garagiste est formel. Comme tous les matins à la même heure, il vient de sortir la voiture d'un client. Devant le garage, un homme donne du feu à un passant. C'est Ramon Jiménez. Soudain, il semble avoir un malaise. Il fait quelques pas en titubant et va s'écrouler sur le trottoir. Une ambulance disponible qui est remontée l'avenue s'arrête et charge le malade. À ce moment-là, il est au maximum 9h05. Ramon Jiménez est encore vivant. À 10h30, le registre de l'hôpital le prouve de façon indiscutable, l'ambulance pénètre dans la cour de l'hôpital. Dans le service des urgences, c'est un homme mort que l'on vient d'amener sur le chariot. Crise cardiaque, conclut le rapport de l'interne. Pas d'autopsie. Nous pouvons admettre qu'il y a des gens qui meurent aussi d'une simple crise cardiaque. Oui, bien sûr. Mais dans cette affaire, il y a un trou. Un énorme trou d'une heure et quart. C'est tout vérifié. Même en cas d'embouteillage monstre, il faut 15 minutes pour aller du garage où s'est effondré Jiménez jusqu'à l'hôpital où on l'a conduit. 15 petites minutes. Or, cette ambulance qui passait là comme par hasard a mis, elle, près d'une heure et demie. Et quelle explication ont donné les ambulanciers? Aucune. L'ambulance qui a conduit Jiménez appartenait à une petite compagnie qui a été absorbée par la suite par une société plus importante. Et pour tout arranger, ils ont perdu le fichier de l'ancien personnel. Marianne Delila, Guillaume Gémenos, Charles Polody, trois accidents de la circulation. Marianne Delila était une passionnée de moto, un pilote remarquable au dire de ses camarades. Un camion l'a percuté de plein fouet et il ne s'est pas arrêté. Et les deux autres? Tout s'est passé exactement comme si Gémenos et Polody avaient perdu le contrôle de leur voiture. Dans les trois cas, on ignore la cause réelle de l'accident mortel. Serge Lévis, 23 ans, célibataire, posé pour des photos publicitaires. Voilà son dossier, monsieur. Tout à coup, sans avertir personne, alors qu'il vient de signer une série de contrats, il disparaît. 2 mois plus tard, on découvre son corps dans un motel.
une balle dans la nuque. Robert Kocheba, 28 ans, technicien en électronique. Le 22 septembre, Kocheba, qui est un habitué du bar Manhattan, est tranquillement en train de boire un verre quand la brigade des stupéfiants opère une descente de routine. Police ! Personne ne bouge ! Tout le monde les met en l'air ! Le policier qui a tué Kocheba a invoqué la légitime défense. Il s'en est tiré avec un blâme et une mutation. Robert Kocheba n'avait pas d'arme sur lui. Et lui ? Il est mort de la fièvre aphteuse, je suppose. Oui, monsieur, il n'a jamais fait parler de lui. Il s'est jamais présenté nulle part. C'est l'anonyme de service. Qui est-il ? Où est-il ? Nous n'en savons rien. Nous avons fait tirer quelques photos du film. Je m'adresse à cet homme ou à tous ceux qui le connaissent. Je vous demande de rentrer en contact immédiatement avec mes services. Procureur Volney, 344-344-33. Ce numéro de téléphone sera à votre disposition jour et nuit. Je répète, 344-344-33. Monsieur, si cette photo est la vôtre, je vous conjure de nous appeler le plus vite possible, parce que vous avez été le témoin de certains événements très importants, mais surtout parce qu'il y va de votre vie ou de la vie de ceux qui vous sont proches. C'était donc un communiqué du procureur Henri Volney que nous diffuserons régulièrement au cours de la soirée. Et maintenant... Appelle ce numéro. Il faut tout leur dire. Jeanne, on va pas recommencer. Je t'en prie, Franck. Mais tu ne comprends donc pas que c'est la dernière bêtise à faire. Il faut oublier. Et se faire oublier. Si ce n'est pas toi qui téléphone à ce procureur, ce sera quelqu'un qui t'aura reconnu. Le gosse qui nous livre la viande, le type qui fait ton plein d'essence, est-ce que je sais, moi? Tes collègues au bureau. Alors? Je l'ai pas noté, moi, le numéro de téléphone de ce type. 344-344-33. J'écoute. C'était Robert Mitchum, dans La Vengeance du Shérif. Le titre anglais était Young Billy Young. Est-ce que j'ai gagné? Non, madame, ce n'était pas lui et il n'y avait rien à gagner. Ce n'était pas un jeu télévisé? Non, madame, ce n'était pas un jeu télévisé. Bureau du procureur Volney, je vous écoute. J'ai très bien connu l'homme dont vous avez diffusé la photo. Il s'appelle Belloni, Frank Belloni. C'était un bon copain à moi. Pourquoi dites-vous c'était? Ah ben parce qu'on s'est un peu perdu de vue, à cause de nos bonnes femmes. Elles ne s'entendaient pas très bien toutes les deux. Vous avez son adresse? Je crois qu'il a déménagé. Alors comment on se voit plus, vous comprenez? Je vous écoute. Je m'appelle Frank Belloni. Je voudrais parler au procureur Volney. Je suis son assistant, ne quittez pas. Surtout ne quittez pas. Allô, oui? Monsieur le procureur Volney? C'est moi. Oui, enfin, oui, l'homme que vous cherchez. Alors, je vous appelle pour que vous ne perdiez pas votre temps. Oui, inutile de continuer à faire passer ma photo à la télé. Je suis en dehors de toute cette affaire. Oui, je n'ai rien vu, rien entendu. Et je ne veux pas vous rencontrer. Vous avez peur, monsieur? Vous avez raison d'avoir peur. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a 8 personnes qui, comme vous, ont vu quelque chose le jour où le président a été assassiné. Alors ça tombe très bien. Adressez-vous à elle au lieu de m'emmerder. Ça me sera difficile, voyez-vous. Ces 8 personnes sont mortes. Je précise, pas de mort naturelle. Alors si vous refusez de vous confier à moi,
vous serez le neuvième. Pas le neuvième témoin, le neuvième cadavre, évidemment. Vous êtes un parfait salaud, vous, hein? Eh bien, il faut choisir, monsieur. Le parfait salaud ou le tueur? Bon. Très bien. J'habite... Non, non. Ne me donnez pas votre adresse. Est-ce qu'il y a une cabine publique près de chez vous? Parfait. Allez-y et rappelez-moi de cette cabine. Nous localiserons votre appel et nous viendrons vous chercher. Allez-y tout de suite. Je suis dans la cabine. Bien. Ne bougez pas. Le temps de localiser votre cabine et on vient vous chercher. Une voiture blanche. Et maintenant, laissez l'appareil décrocher. Et surtout, pensez à mettre des pièces au fur et à mesure. Je vois une voiture. C'est pas celle que vous dites, elle est noire. Allô ? Allô ? Oui? La famille Belloni est arrivée, monsieur. J'arrive. Bonsoir, monsieur Belloni. Bonsoir, madame. Notre assistante, Émilie Daven, va s'occuper de vous. Vous pourrez vous reposer dans la pièce à côté. Alors, tout sauf moi, on les a... Eh oui, monsieur Belloni, on les a, comme vous dites. Et je vous en prie, venez avec moi. Dès que la seconde série sera prête, nous la portons en salle de projection. Je vous en prie, concentrez-vous bien et regardez avec beaucoup d'attention les photos qui vont défiler devant vous. L'homme qui était derrière la fenêtre au deuxième étage, je dois le reconnaître dans ces photos. C'est cela même. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, tous ceux qui vont défiler sur cet écran ont été choisis en fonction de leur passé. Vous êtes bien? Max, s'il vous plaît. Non, c'est pas lui. Il était beaucoup plus jeune. Non. 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 Non, c'était pas un blond. Ça, j'en suis sûr. Bonsoir, monsieur De Palma. Nous sommes seuls? On m'avait pourtant dit que chez vous, il fallait réserver sa table au moins 24 heures à l'avance. Mon cher Lacosta, il est 3 heures du matin et nos restaurants ne sont pas des boîtes de nuit. Celui-ci est resté ouvert jusqu'à 7 heures tardives, spécialement pour nous. Ne nous plaignons pas de cette
garantie de discrétion. Asseyez-vous. Un peu de vodka. Laquelle préférez-vous? Les polonaises, Soubrovka, Viborova, au citron ou bien la russe? La même chose que vous. Alors ce sera la russe. Non. 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 Je ne vous demande pas si vous avez entendu l'appel télévisé du procureur Volney. Oui, oui. Tout à fait par hasard. L'appel n'a pas été rediffusé au bulletin de 21h. Ce qui veut dire que Volney a probablement trouvé l'homme en question. Ce 9e témoin que vous avez laissé échapper. Non. 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 Non, non, non. Non. Cherche-lui qu'occasion. Monsieur de Palma, j'ai scrupuleusement rempli mon contrat. Mais nous sommes très satisfaits de vous, Lacosta. Parfait. En échange de ce travail, notre contrat stipulait 2 engagements de votre part. Premièrement, un salaire, c'est fait. Deuxièmement, la sécurité et le retour dans mon pays. Pour votre sécurité, nous avons écarté 8 témoins gênants sur 9. Pour votre retour au pays, croyez-vous qu'il soit prudent de l'envisager dans l'immédiat? Dans quelques heures, il sera peut-être trop tard, monsieur de Palma. À l'instant même, il y a quelque part dans cette ville un homme qui m'a vu, qui connaît mon visage et qui va parler. Non. 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 L'homme que j'ai vu au 2e étage ne ressemble à aucun de ceux que vous m'avez montrés. Je suis désolé, mais je ne peux pas inventer. C'est marrant. Il y en a une que j'aimerais bien revoir. Bien sûr. Je peux? Bien sûr. Elle doit être dans les 5 ou 6 dernières. Non, c'était avant celle-ci, je crois. Non, c'est pas lui. Voilà, c'est lui, c'est bien lui. Vous voulez dire que c'est bien l'homme du 2e étage? Non, 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 lui, c'est le type au parapluie. Moi, je le reconnais maintenant, hein. C'est lui, c'est bien lui. Il était à quelques mètres de moi, en bas, dans la foule. Moi, j'étais avec les autres sur la passerelle. Au début, je l'avais pas remarqué, c'était un type parmi les autres. Et puis, juste au moment où on a tiré sur le président, ou peut-être avant, je me rappelle plus, flap, il a ouvert son parapluie. Il y avait un tel soleil ce jour-là que j'ai pensé, c'est un cinglé, ce type. Excusez-moi, ça n'a rien à voir avec votre affaire, mais c'est marrant de retrouver ce type dans votre collection. Je suis désolé, monsieur le procureur. Non, je vous remercie, monsieur Belloni. Mais pour votre sécurité et celle de votre famille, vous allez être obligé de prendre quelques vacances forcées. Non, rassurez-vous, nous avons pris toutes nos dispositions. Cette enveloppe contient des traveler checks. Je vous confie à ce jeune homme qui va vous amener un avion spécial. Il paraît qu'il fait très beau aux Caraïbes en ce moment. Venez, nous allons rejoindre votre petite famille. Mais dites, monsieur le procureur, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour qu'il m'arrive un truc pareil? Rien, monsieur Belloni. Vous avez simplement vu quelque chose que vous n'auriez pas dû voir. Bon voyage. De Palma Carlos, originaire du Honduras. Réfugié chez nous pour de vagues raisons politiques à l'âge de 23 ans. Soupçonné depuis longtemps d'être un des patrons de l'organisation du crime. Mais de là à le prouver. Chaque fois qu'on a tenté de le mouiller, De Palma a contre-attaqué en plaidant la diffamation. Et il a gagné. De Palma... Il a été condamné à 5 ans de prison pour fraude fiscale.
Mais libéré par anticipation il y a un peu moins de 2 ans. Mettez-le sur écoute téléphonique. Parce que vous ne l'arrêtez pas? Non, on ne l'arrête pas. De quoi voulez-vous l'inculper? De posséder un parapluie? Si grâce à ce 9e témoin, on remonte jusqu'à moi, on remontera jusqu'à vous. Vous voulez dire que vous parleriez? C'est ça? Vous savez, j'ai un ou deux rêves qui se baladent dans ma tête. J'ai maintenant l'argent. Et j'ai encore l'âge pour les réaliser. Vous avez raison, monsieur Lacosta. Il faut respecter les rêves. Ils nous consolent de la vulgaire réalité et ils nous réchauffent l'âme. Buvons à ce monde invisible, nous pourrons enfin réaliser nos rêves. Non, je quitte pas, j'attends. Journée exceptionnellement pluvieuse. Non, les millimètres, ça m'est égal. La direction du vent aussi. Ah, pas la moindre éclaircie. Merci beaucoup. Une chose que j'arrive pas à comprendre. Daslo monte sur une terrasse avec une carabine pour tirer 3 balles sur le président. Alors nous savons maintenant que la carabine n'était pas chargée. Exact. Alors pourquoi monte-t-il sur une terrasse avec une carabine vide? Quelqu'un lui a remise à la dernière minute. Mais il est photographié devant chez lui, la carabine à la main. Le 28 mars 1977. Je viens d'appeler la météo. Le 28 mars 1977, il pleuvait à torrent. Et cette photo a été prise en plein soleil. Oui. Elle a pu être prise la veille ou le lendemain. La veille ou le lendemain. Les hortensias ne fleurissent pas en mars, mais fin juillet, début août, Charlie. C'est une photo truquée. On a rajouté la tête d'Aslo après. C'est évident. En somme, depuis des mois, nous vivons à l'ombre d'un faux d'Aslo. Mais tout est faux dans cette affaire, tout. Un faux témoin, un faux coupable, de fausses douilles, de fausses dates et de faux hortensias et un faux rapport avec un faux air honnête. 30 volumes d'enquête, 682 pages de conclusion et pas la plus petite réponse et la plus élémentaire question, pourquoi? Pourquoi Karl-Éric Daslo aurait tiré sur le président alors qu'il est établi qu'il n'avait pas la moindre raison de le faire? Monsieur, le rapport psychiatrique conclut à une crise de paranoïa. Bien sûr, comme on ne lui a trouvé aucune raison, on a conclu qu'il était fou. Seulement voilà, même les fous se trouvent toujours une raison. Ou c'est Dieu qui a guidé leur bras meurtrier, ou c'est pour sauver le monde de je ne sais quelle catastrophe, et ils le disent. Et ces psychoses peuvent être détectées à un moment ou à un autre de leur vie. Chez Daslo, rien. Absolument rien. Ni à l'école, ni à l'armée, ni chez ses employeurs, ni dans sa vie quotidienne, on ne trouve nulle part une quelconque trace de trouble psychiatrique. Et tout d'un coup, il devient fou, le 22 mai à 13h. À 13h01, il tire sur le président, et à 13h02, il se suicide. Eh bien non. Non, messieurs. Un illuminé ne se suicide pas. Il se fait gentiment arrêter pour crier au monde les visions qui peuplent son délire. Il y a des statistiques là-dessus. Le rapport psychiatrique repose sur une expérience scientifique du professeur David Nagara, de l'université de L'Haye. Parfait, appelez-le moi. Il est 4h du matin, monsieur. Mais quel jour sommes-nous? Dimanche matin, monsieur. Ah bon. Bon ben, allez vous coucher, les enfants. Bon dimanche et à lundi. Les experts psychiatriques sous-signés. Devant l'absence du sujet et par conséquent dans l'impossibilité d'utiliser l'interrogatoire, ont établi ce rapport en examinant le passé de Karl-Éric Daslo. Son penchant à la violence et son acte final qui l'a conduit à une action cruelle et irresponsable s'explique par ce qu'on appelle la démence paranoïde. Professeur Nagara, vous souvenez-vous de cet homme? Oui, il est hélas tristement célèbre.
C'est Laszlo, n'est-ce pas? Et il a en effet participé à une de nos expériences. Avez-vous lu les conclusions psychiatriques sur Laszlo dans le rapport Henniger? Je vous avoue que non. Professeur, au cours des tests que vous faites passer, pouvez-vous déceler chez un individu une maladie mentale? Laszlo, par exemple, s'est-il comporté, selon vous, comme un paranoïaque? Je vous demande pardon. Eh oui, tout de suite, je viens. Un paranoïaque. Tenez, je vous propose de venir voir en direct notre expérience. Le comportement de notre candidat d'aujourd'hui vous éclairera peut-être mieux sur celui de Dassault. Très bien. Installez-vous, monsieur le procureur. Avec cette glace sans teint, vous pouvez voir sans être vu. Vous avez ici un potentiomètre pour entendre ce qui se dit de l'autre côté. Je reviens dans un instant. Merci. Ça va durer longtemps? On nous a dit qu'il y en aurait pour une heure, c'est ça? Qu'est-ce qu'on va faire? On va vous expliquer tout ça dans un instant. Ah bon? Ah, messieurs, voici le professeur Nagara. Monsieur Rivoli? Ah non, Despaul. Despaul, monsieur le professeur. Alors vous êtes monsieur Rivoli? Oui, monsieur le professeur. Eh bien, messieurs, d'abord quelques mots sur l'expérience que nous allons tenter aujourd'hui. Une théorie établie par des psychologues soutient que l'individu apprend correctement et d'une manière plus efficace lorsqu'il sait que chaque erreur de sa part lui attirera une punition. Une application dans la vie courante, c'est, par exemple, la fessée que les parents administrent à l'enfant lorsqu'il se trompe. Ils espèrent que cette forme de punition particulière incitera l'enfant à mieux se souvenir. Dans le cadre de cette université, nous intéressons seulement aux adultes. Et c'est scientifiquement que nous allons mesurer à quel degré chiffré la punition peut avoir une influence sur la mémoire. Aujourd'hui, messieurs, l'un de vous sera l'élève qui s'efforce de se souvenir, l'autre sera le moniteur qui, en lui infligeant des punitions progressives, va le conduire à mieux utiliser sa mémoire. Le mieux, il me semble, est de tirer au sort pour désigner qui sera le moniteur et qui sera l'élève. Ah, je suis le moniteur. C'est donc monsieur Rivoli qui sera l'élève. Tu dois m'asseoir là-dessus? Je vous en prie. C'est pas dangereux, votre truc. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est simplement pour éviter d'éventuelles brûlures. Ah, eh ben... Messieurs, le principe de cette expérience est extrêmement simple. Voici une liste de 30 mots, associés chacun à un adjectif. Ciel bleu, animal féroce, vent violent, etc. Monsieur Despaul, vous allez lire à Monsieur Rivoli ces 30 couples de mots. Ensuite, vous lui donnerez seulement l'adjectif, et il devra de mémoire vous dire à quel mot cet adjectif se rapportait. Ah oui, d'accord. Par exemple... Quand je lui dirai bleu, il devra me répondre ciel. Quand je lui dirai féroce, il devra me répondre animal. Quand je lui dirai violent, vent. Vous avez très bien compris. À chaque fois que M. Rivoli se trompera, vous lui infligerez une punition. Vous pousserez un de ses curseurs et il recevra une décharge électrique. À la première erreur, l'élève recevra 15 volts. 30 volts à la deuxième faute, 45 volts à la troisième, etc., etc. Comme vous voyez, ces curseurs sont gradués de 15 en 15 volts.
qui s'additionne. Maintenant, monsieur Despaul, voulez-vous lire les associations de mots à votre élève? Lentement, en articulant bien, pour qu'il puisse les retenir. C'est monsieur Flavius qui contrôlera l'expérience. Bien. Alors, ciel bleu. Animal féroce. Vent violent. Jour frais. Citron jaune. Poisson grillé. Œuf dur. Comment recrutez-vous vos candidats, professeur ? Par une annonce dans les journaux locaux, dans le style « Voulez-vous gagner 6 dollars avec indemnité de transport en échange d'une heure de votre temps ?» Nous recrutons volontaires pour participer à une expérience scientifique sur la mémoire. Quand Dasto s'est présenté, quel rôle jouait-il dans votre expérience ? Moniteur ou élève ? Moniteur, monsieur le procureur. Il occupait la place de monsieur Despaul. Puis profond. Pain beurré. Argent comptant. Bien. Veuillez commencer, monsieur Despaul. Premier mot, bleu. Ciel. Ciel bleu. Juste. Mot suivant, féroce. Rire féroce. Non, c'est faux. La réponse était animal. 15 volts. Mot suivant, violent. Violent, attendez ça, ça je le sais. Souffle, souffle violent. Faux, la réponse était vent, vent violent. 30 volts. Réfléchissez avant de dire n'importe quoi. Si vous croyez que ça m'amuse, moi, de vous envoyer des décharges. Allez, mot suivant, frais. Frais. Attendez, ça n'est pas poisson ? Vous croyez sérieusement que ces chocs électriques vont aider monsieur Rivoli à améliorer sa mémoire ? Je répète. La mémoire de monsieur Rivoli ne présente ici aucun intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est la capacité d'obéissance de monsieur Despaul, sa soumission à l'autorité. L'autorité pour monsieur Despaul, c'est le cadre de cette université, le professeur Flavius, moi-même, et nos blouses blanches qui sont les symboles de cette autorité. Nous venons de lui imposer un code de punition à infliger à une victime qui ne lui a rien fait. Jusqu'où va-t-il obéir à cet ordre imbécile et révoltant que nous venons de lui donner ? Tout le problème est là. Mot suivant, jaune. Citron. Bien, très bien. Oui, c'était citron. Ben, allons-y. Mot suivant, grillé. Pain. Pain grillé. Mais non, c'est faux. C'était poisson. Poisson grillé. 165 volts. Arrêtez. Je refuse de continuer. Laissez-moi partir. Mais enfin, il va tout de même pas aller jusqu'à 450 volts. Je ne sais pas. Voyez-vous, il est évident qu'à partir d'un certain moment, M. Despaul va devoir affronter un problème. D'un côté, sa soumission à l'autorité, exécuter la mission qui lui a été confiée. De l'autre, sa répugnance à faire souffrir sa victime. Despaul va être progressivement secoué par un conflit intérieur presque insoutenable. Pour se tirer de cette situation, il devra rompre avec l'autorité et désobéir. C'est l'instant de cette rupture que nous étudions. Veuillez poursuivre, monsieur Despaul. Alors, le mot suivant, c'est... Un instant, monsieur.
La main droite de Monsieur Rivoli vient de glisser. L'électrode n'est plus en contact. Il faut que vous alliez rattacher les lèvres. C'est à moi de faire ça? Vous devez veiller à l'exécution correcte de ce qui a été convenu. Une phase très intéressante de l'expérience. Le contact physique. Jusque-là, il agissait par manette interposée. Il doit maintenant toucher un homme qui ne lui a absolument rien fait et qu'il est en train de martyriser. Il arrive dans ces cas-là que le taux d'obéissance diminue. Je vous en supplie, monsieur. Arrêtez. Vous feriez mieux de vous concentrer. De ne pas répondre n'importe quoi. Qu'on en finisse, merde, on va pas y passer la nuit, non? Il m'a demandé d'arrêter. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous prie de continuer, monsieur Despaul. Bon, écoutez, concentrez-vous bien avant de répondre. Parce que je vous préviens, j'en suis presque à 200 volts, moi. Alors, le mot suivant, c'est blanche. Blanche! Regardez bien. Despaul essaie de diminuer son conflit intérieur en aidant sa victime. Ah bah, si ce conflit lui est tellement insupportable, pourquoi ne s'arrête-t-il pas? S'il s'arrête, il reconnaît implicitement qu'il a eu tort d'aller jusque-là. En continuant, il justifie tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Dites, monsieur, on pourra peut-être passer au mot suivant pour une fois. Il est absolument essentiel que nous poursuivions l'expérience, monsieur Despaul. Bah oui, mais il ne répond plus. Vous devriez aller voir, il lui est peut-être arrivé quelque chose. Que cela plaise ou non à l'élève, nous devons continuer. Jusqu'à ce que l'élève sache correctement les couples de mots. Hé, hey, monsieur! Vous m'entendez? Le mot est blanche. J'en ai assez. Je suis trop mal. Je ne vais plus répondre. Qu'est-ce qu'on fait? Considérez son silence comme une erreur et envoyez-lui 180 volts. Il va pas bien du tout, ça risque de mal tourner. Je prends sur moi toute la responsabilité. Si vous prenez la responsabilité... C'est intolérable! Même au nom de la science, vous n'avez pas le droit de faire ça. Aucune loi ne vous autorise. Gardez votre calme, monsieur le procureur. Ces appareils sont entièrement factices. Il n'y a absolument aucun courant électrique entre le pupitre de monsieur Despaul et la chaise de monsieur Rivoli. Mais monsieur Despaul n'en sait rien. Monsieur Rivoli a beaucoup de talent, n'est-ce pas? Il fait partie de notre équipe. Naturellement, il est indispensable que les candidats que nous recevons soient toujours moniteurs. C'est effrayant. Monsieur le procureur, vous, c'est à 180 volts que vous avez réagi. Votre expérience est impitoyable, professeur. À quel voltage s'est arrêté Dasto?
405 volts. Asseyez-vous. Comme ça. Réfléchissez bien. Je vais être obligé de vous envoyer 405 volts. Alors, faites un effort. Quadrillé. Il faut interrompre l'expérience. C'est impossible. On ne peut pas fausser les résultats. Nous devons continuer. L'insuffisance cardiaque de votre sujet est flagrante. En poursuivant, vous allez à la catastrophe. Envoyez 405 volts, monsieur Dassault. Pas question. Mettez-vous d'accord. Il y en a un qui dit de continuer, l'autre qui dit d'arrêter. La conversation que je viens d'avoir avec le professeur Nagara ne vous concerne pas, monsieur Dassault. Veuillez poursuivre. Oui, ben moi, je poursuis plus rien du tout. Si vous voulez, je vous rends vos 6 dollars et je rentre chez moi. Arrête l'expérience à 405 volts. Vous voyez, dès que la cohérence du système hiérarchique disparaît, dès qu'il y a des accords au niveau de l'autorité, le sujet en profite pour arrêter d'obéir. Vous, vous avez beaucoup de sujets qui sont allés jusqu'à 405 volts? En moyenne, 63% des sujets sont obéissants. C'est-à-dire qu'ils acceptent totalement le principe de l'expérience. Et vont jusqu'à 450 volts. Ce qui signifie que dans un pays civilisé, démocratique et libéral, les 2/3 de la population sont capables d'exécuter n'importe quel ordre émanant d'une autorité supérieure. 3 mois après chaque expérience, nous reconvoquons chaque candidat pour lui dire la vérité et lui demander de justifier son comportement. Écoutez les réactions de Dassault. Monsieur Dassault, vous avez participé il y a 3 mois à une expérience qui a duré 1h17. Vous avez administré des chocs électriques allant jusqu'à 405 volts. Avez-vous cru jusqu'au bout que ces décharges électriques étaient réelles? Oui. Vous rendiez-vous compte que vous commettiez un acte cruel contre une victime innocente et sans défense? Je n'avais pas à juger si mon acte était cruel ou si la victime était innocente. J'avais une autorité supérieure qui était là pour ça. J'ai fait ce qu'on m'a dit de faire, moi. Quand on ordonne à un pilote de lâcher une bombe sur une ville, il se demande pas si c'est bien ou mal de lâcher la bombe. Il lâche la bombe. Oui. Mais dans le cas d'un génocide, par exemple, quand un tyran décide de tuer froidement 5-6 millions d'hommes, de femmes, d'enfants, il lui faut au moins 1 million de complices, de tueurs, d'exécuteurs. Comment arrive-t-il à se faire obéir? En morcelant les responsabilités. Un tyran a besoin avant tout d'un état tyran. Alors il va recruter 1 million de petits tyrans fonctionnaires qui auront chacun une tâche banale à exécuter. Et chacun va exécuter cette tâche avec compétence et sans remords. Car personne ne se rendra compte qu'il est le millionième maillon de l'acte final. Les uns vont arrêter les victimes. Ils n'auront commis que de simples arrestations. D'autres vont conduire ces victimes dans des camps. Ils n'auront fait que leur métier de mécanicien de locomotive. Et l'administrateur du camp, en ouvrant ses portes, n'aura fait que son devoir de directeur de prison. Bien entendu, on utilise les individus les plus cruels dans la violence finale. Mais à tous les maillons de la chaîne, on a rendu l'obéissance confortable. Monsieur Dassault, à 360 volts, l'élève s'est arrêté de crier et n'a plus répondu, ce qui pouvait laisser supposer qu'il était mort. Pourquoi avez-vous continué à administrer des chocs électriques de 360 à 405 volts? De toute façon, s'il était mort, ça ne lui faisait plus rien. J'ai pensé que les professeurs de cette université savaient ce qu'ils faisaient. S'ils pensent que c'est bien, c'est pas à moi de dire le contraire. Ce qu'il y a de plus surprenant chez tous vos sujets, c'est qu'ils agissent sans haine, sans colère, sans le moindre esprit de vengeance, sans espoir même d'un salaire confortable. Car enfin, Dassault n'a tout de même pas envoyé 405 volts pour gagner 6 dollars. Monsieur Dassault, si l'annonce à laquelle vous avez répondu n'avait pas été publiée par l'université de l'AIE, mais par un particulier quelconque avec une promesse de rémunération de 1000 dollars au lieu de 6 dollars, auriez-vous administré 405 volts à M. Rivoli? Non.
Si la rémunération proposée était de 10 000 dollars. Je crois que vous n'avez pas très bien compris, monsieur. L'argent n'a rien à voir là-dedans. J'obéis à une autorité lorsque je respecte cette autorité et que je l'accepte. C'est tout. Je vous remercie. Donc, ce jour-là, en montant sur la terrasse pour tirer sur le président, Daslo obéit à une autorité qu'il estime et qu'il respecte. Et l'argent n'a rien à voir là-dedans. Mais cette autorité est aussi l'employeur des vrais tueurs en bas, qui, eux, ne travaillent que pour de l'argent. Nicky Farnese, le faux témoin, Carlos de Palma, l'homme au parapluie, et le tueur du deuxième étage. Je crois que vous pouvez l'appeler Luigi Lacosta, monsieur. On vient de repêcher sa voiture. Il avait reçu un coup de revolver de gros calibre en pleine face. Interpol vient de nous faire savoir qu'il était fiché comme tueur professionnel. Tueur professionnel, mais pourquoi vous ne l'avez pas projeté devant Belloni l'autre soir? Lacosta n'était pas encore fiché par nos services de police. C'était un produit d'importation. Il est arrivé d'Italie le 10 mars, c'est-à-dire 2 mois avant l'assassinat du président. Les vérifications bancaires font apparaître que Nicky Farnese, le faux témoin, a touché 5000 dollars avant l'assassinat et 5000 dollars après. Luigi Lacosta a touché 2 fois 250 000 dollars. Quelle est donc cette autorité supérieure? Respecté par l'un, patron payeur pour les autres. Daslo, Lacosta ne peut plus parler. Carlos de Palma, on le surveille toujours, celui-là? Nuit et jour, il est sur écoute permanente. Regardez donc dans son dossier pourquoi il a bénéficié d'une mise en liberté anticipée. Il est intervenu de très haut. Il a été libéré sur intervention de M. Richard Mallory, chef du bureau des activités spéciales des services secrets. Quelle est la raison invoquée? Pour service rendu à la nation. Il a été libéré le 12 février 77. C'est-à-dire 3 mois avant l'assassinat du président Jarry. Tiens, ce soir, Monsieur de Palma dînera avec son bienfaiteur, Richard Mallory. Bravo, Bob. C'est dans le rapport des écoutes téléphoniques. Qui dîne chez qui? Mallory chez De Palma, dans sa maison de campagne. Donc, avec un peu de chance, il n'y aura personne ce soir dans l'appartement de Mallory. Ce qui veut dire? Pas de bêtises, Shirley. C'est encore la meilleure façon de... Vous le savez, vous, ce qu'on va trouver derrière? Moi, non. D'habitude, je travaille sur plan, moi, monsieur. Les alarmes sur ouverture de porte, ça vous dit quelque chose, ça? Vous ouvrez, puis...
pas que vous restiez là, monsieur le procureur. S'il arrive un pépin, faut que vous soyez en dehors de ce coup-là. Charlie est là-haut? Oui, monsieur. Seul? Non. Mais avec un professionnel de premier ordre. Garcia Santos, que nous avons emprunté à la criminelle. De mieux en mieux. Garcia Santos. 4 condamnations et cambriolage avec effraction. 3, monsieur. Oui, parce que si tout se passe bien cette nuit, nous lui avons promis d'oublier le 4e. Touchez pas! Tiens, mettez-moi ça d'abord. Ah, mais vous vous rendez compte? Quand je fais ce travail pour moi tout seul, j'en prends pour 3 ans. Je fais le même travail pour vous, on m'éponge à 3 ans. C'est pas beau, ça? Allô, Vernon. Nous venons d'entrer, tout se passe bien. Merde, c'est Mallory. Ne bougez pas. Je m'appelle Henri Volney. Je suis ravi de vous connaître, monsieur le procureur. Vous ne m'attendiez pas, j'espère. Mais si. Je ne me sens pas coupable, puisque moi, je ne vous attendais pas. Voulez-vous que nous montions chez moi prendre un verre? Non, merci. Je préférerais marcher un petit peu, si cela ne vous ennuie pas trop. Et puis, vous savez, j'ai toujours entendu dire que des membres des services secrets avaient leur domicile truffé de micros, d'enregistreurs et autres gadgets de ce genre. On exagère beaucoup. Je vous en parle pas. Dites-moi, connaissez-vous un certain Carlos de Palma? Carlos de Palma? Eh bien oui. Il avait été condamné à 5 ans de prison. Attendez, si mes souvenirs sont exacts, c'était pour une histoire fiscale, je crois. Exact. Mais est-ce que vous n'êtes pas intervenu pour le faire libérer? Oh, il m'est arrivé, en effet, dans certains cas, d'intervenir au nom des services secrets. Jamais à titre personnel. Dans le cas de Palma, la raison invoquée était, je crois, pour service rendu à la nation. Je serais bien entendu indiscret de vous demander la nature de ces services. Dans service secret, il y a le mot secret. Oui. Dans notre métier, le premier commandement, c'est la loi du silence. Commandement que vous partagez quelquefois avec une autre institution, la mafia, par exemple. Je ne vois pas le rapport. Non, c'est une boutade, monsieur Mallory, une simple boutade. Vous avez trouvé ce que vous voulez? Rien du tout.
Le pire, c'est que je ne sais même pas ce que je cherche moi-même. Oh, bah c'est parfait. Dites donc, ça change rien à nos accords hein, pour mes 3 ans. Zip, zip, hein? Oui. Et pourquoi vous regardez pas dans le coffre? Quel coffre? Là. Derrière la copie, là. Bon, sais-tu qu'il y a un coffre derrière? Ça sent le produit de camouflage. Vous voyez la patine, là? Et là. Elle correspond exactement à l'emplacement des mains qui décrochent très souvent le tableau. Et tu peux ouvrir ça? Dans le travail d'amateur que vous me faites faire, je ne vois que 2 méthodes. En douceur ou en force. Et c'est d'abord en douceur. Évidemment. J'ai l'impression que vous n'avez pas beaucoup les services secrets, monsieur Volney. Détrompez-vous. Je trouve cet organisme d'information absolument indispensable. Sans cette information, aucune nation moderne ne peut garantir la sécurité de son peuple. Bien sûr. Seulement, voilà. Ces soldats de l'information s'écartent un jour de leur mission d'origine et se transforment en armée d'intervention. Une armée qui s'infiltre partout. Et elle devient une force si colossale qu'elle finit par échapper au gouvernement même qui croit la contrôler. Dans une organisation de cette envergure, une bavure est toujours possible. Bavure? Le budget des services secrets est de 10 milliards pour l'information et de 200 milliards pour l'intervention. 200 milliards, M. Mallory, ce n'est plus une bavure, c'est une institution. Tintin pour la manière douce. Qu'est-ce qui se passe? En principe, les gars gardent toujours la même combinaison. Alors, à la longue, la clavette, qui tombe toujours au même numéro, elle finit par avoir une légère usure et ça produit un son différent, ça fait gling. Gling, gling, glang, voyez? Attention, c'est pas aussi net que ça, hein. Mais avec ce machin-là, quand on a l'habitude, ben on repère tout de suite. Et alors? Ben alors là, Tintin, pour les gling-gling, il n'y a pas de petite usure. Il doit changer sa combinaison tous les jours. Bon, alors allons-y pour la manière forte. Eh bien, rassurez-vous, monsieur le procureur, les services secrets sont sous le contrôle attentif et direct du président et du gouvernement. C'est vrai, monsieur Mallory, c'est vrai. Les présidents et les gouvernements contrôlent cet outil si efficace et si discret. Et ils l'utilisent aussi, parfois. Souvent même. Alors, quand cet outil n'obéit plus, ça devient bien difficile aux présidents et aux gouvernements de dénoncer des complices d'hier. Un seul homme s'est dressé contre cet état dans l'état. C'était le président Jarry. Tiens, vous devriez mettre un peu de musique. Non, c'est pas le moment. Bon, c'est comme vous voudrez, mais je vous préviens, quand ça va péter, ça va faire du barouf. On aura intérêt à amortir le bruit. Cherchez pas le solo de piano, hein. Un orchestre avec beaucoup de cuivre.
Charlie, barrez-vous. Cette fois, ça y est, il va monter. Terminé. Bien reçu, terminé. De cet entretien. Mais moi aussi, monsieur Mallory. Bonsoir. Et ne vous laissez pas trop influencer par les romanciers à court d'imagination qui se jettent régulièrement sur le vieux thème de l'espionnage fiction. Mais eux, au moins, prennent la précaution de nous prévenir que les personnages et les événements qu'ils relatent sont purement imaginaires. Vous savez, quand l'imaginaire ne prend pas sa source dans la réalité, ce n'est pas très bon. Il n'y a pas de frisson ni de suspense sans le vrai ou le vraisemblable, monsieur Mallory. Bonsoir, cher procureur. La chasse a été bonne, monsieur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette cassette? C'est de la musique interrompue par des messages complètement inaudibles. Ils doivent avoir un code de fréquence et de vitesse de déroulement pour rétablir les textes en clair. Vous l'avez eu comment? Je vais faire beaucoup de bruit pour rien. Mallory avait volontairement inversé les choses. Probablement rien dans le coffre, mais tout à portée de la main. C'est très fort. Voulez-vous qu'on essaie de le décoder, ce nouveau codeur? Non, merci. Allez, vous couchez. Thank you.
rapide le transformerait en martyr. Il est indispensable de le rendre d'abord impopulaire. Attendons instruction pour déclencher opération Zénith 2. Estimation durée opération Zénith 2, 4 ans. Allô, le palais du gouvernement ? Oui, monsieur. Je voudrais parler à monsieur le président. De la part de qui ? De la part du procureur Henri Volney. Monsieur le procureur, je me permets de vous rappeler que monsieur le président est parti pour Genève depuis hier pour une conférence au sommet. C'est dans tous les journaux. Oui, bien sûr. Je vous remercie. Parlez au directeur des services secrets, s'il vous plaît. De la part de qui ? Procureur Henri Volney. C'est très important. Ne quittez pas. Allô ? Hugues Adler, Henri Volney. Pardon de ce réveil très matinal, mais j'ai besoin de vous voir de toute urgence. Mon cher Volney, si c'est à titre personnel, j'en serais ravi. Et si c'est le directeur des services secrets que vous voulez voir, je ne le suis plus depuis hier. Liquidé, mon vieux. Ce sera officiel dans 48 heures.
Et qui a été nommé à votre place? L'un de mes collaborateurs, le chef du bureau des activités spéciales, un certain Mallory. Richard Mallory? Oui, vous le connaissez? Non, très peu. Je suis bien désolé pour vous. Et excusez-moi de vous avoir réveillé. Au revoir. Au revoir. Monsieur le Président, je vous adresse ce message personnel et confidentiel par porteur, car les conclusions auxquelles je viens d'aboutir dépassent les limites de mon enquête et relèvent de la sécurité de l'État. 1. Je suis en mesure de prouver que l'assassinat du président Marc Jarry a été soigneusement préparé par un groupe de pression qui ne paraît avoir aucune attache dans le gouvernement. Ce complot a été organisé au nom de l'intérêt supérieur de la nation, nation étant bien entendu qu'un alibi. Les cerveaux de cette conspiration ne visent nullement à renverser le régime au profit d'un autre. Au contraire, ils s'accommodent très bien des structures de ce pays et ils s'en servent. 2. J'accuse les services secrets, ou tout au moins une partie de ces services, d'être les agents d'exécution de ce cerveau suprême. 3. Je les accuse de travailler conjointement avec la grande organisation mondiale du crime quand leurs intérêts se confondent. 4. J'accuse M. Mallory d'être le principal intermédiaire entre ce cerveau suprême de la conspiration et les différents niveaux de l'action. 5. Dans le cadre de cette conspiration, une opération dont le nom de code est I, comme Icar, a été décidée et doit être exécutée aujourd'hui même, 17 juin, avant minuit. Comment prévoir dans quelle partie du monde éclatera l'opération Icar? Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à mes sentiments respectueusement dévoués, Henri Volney. Allô, Hélène? Oui, Henri. Je te réveille? Oh, mon pauvre chéri, si tu ne me réveillais pas à cette heure-ci, c'est que je serais ailleurs. C'est vrai. Comment s'est passé ton dîner? Terne. On a un tout petit peu parlé de mon livre, parce que les gens sont bien élevés, mais par contre, il a été beaucoup question de toi. Ces dames ont décrété que tu étais misogyne. Tiens donc. Et qu'est-ce que tu leur as répondu? Pourquoi il fallait répondre quelque chose? Bien sûr, par exemple que j'étais très très occupé par une femme comme il y en a peu, ce qui me préserve des femmes comme il y en a beaucoup. Oh, mais tu sais que tu es très très gentil à 6 heures du matin. Tu devrais m'appeler plus souvent. Comment va ton enquête? Mon chéri, difficile, difficile. On n'a jamais été aussi seul. Et je ne peux rien pour toi, n'est-ce pas? Non, mon chéri. Plutôt si. Si. Dis-moi, qu'est-ce que le nom de Icar, I-C-A-R-E, peut évoquer pour toi? En dehors de la légende classique, bien entendu, que tout le monde connaît. Icar? Oui. Ah, oh, mon cher procureur, pour une fois, c'est toi qui avoues. Tu n'as pas lu mon livre. Je parle du mythe d'Icar. Je crois que c'est dans le premier tiers. Attends, ne dis pas, je reviens. Mais non, je peux le faire moi. Enfermé par Minos dans un labyrinthe. Il s'évada grâce à des ailes qu'il fabriqua et qu'il s'attacha sur le dos avec de la cire. Mais dans son vol, il s'approcha si imprudemment du soleil que la cire se mit à fondre. Il perdit ses ailes et tomba dans la mer qui porte son nom. Évidemment, tous les mythes ont un sens qu'il faut dégager du folklore. Si on considère le soleil comme le symbole de la vérité,
Alors Icare se brûle les ailes parce qu'il s'approche trop près de la grande vérité. Voilà. Est-ce que cette interprétation peut t'aider ? Allô ?